Salut à tous, c'est un Dédé, on se retrouve sur le jeu Outbreak Story pour une nouvelle vidéo. Je veux juste préciser que du coup c'est un tout nouveau format que je propose aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. En gros, je sais pas encore trop comment ça va s'appeler, peut-être bonne idée sur le papier, mais, ou peut-être la déception c'est cool, ou un truc dans le genre. Mais plus sérieusement, en gros c'est un nouveau format, il consiste en quoi? Bah c'est tout simple, je vais parler un peu de jeux qui m'ont hypé sur le papier, donc avec des idées révolutionnaires, des trucs qui pourraient être vraiment sympas, vraiment des jeux qui sur le papier vend du rêve, mais qui concrètement, une fois que c'est en place, une fois qu'on a le jeu en main, on se dit mais c'est où est le rapport avec ce qui était écrit, ou alors carrément pourquoi c'est ça, ou pourquoi c'est comme ça tout simplement. Donc là par exemple on va parler de Outbreak Story. C'est un jeu où on doit normalement gérer l'épidémie, donc une épidémie type coronavirus, etc. Même si c'est pas dit clairement que c'est Corona, le développeur y a fait quand même pas mal allusion. On est censé être dirigeant d'un pays, d'un état, on sait pas trop, mais en gros on doit, avec un budget limité, essayer d'endiguer au maximum l'épidémie, et essayer un petit peu de bien gérer pour essayer de sauver le maximum de monde, etc. Dans son pays. Donc je trouvais que l'idée était vraiment sympa, d'actualité avec ce qui se passe en ce moment. Et franchement, j'ai eu le jeu avec beaucoup de plaisir au début. Mais au final, on peut voir que c'est quand même hyper mal réalisé, je trouve en tout cas. Parce que là, on n'a pas d'explication, pas de tutoriel. On est au courant de rien. Je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas à quoi ça correspond. Donc j'imagine que ça à droite, les infectés. Peut-être ça, ceux qui sont en pleine santé. On doit rechercher des choses, etc. On n'a aucune explication, rien de concret. Quand on va dans un menu, il n'y a même pas de menu pause qui se met en place. Donc non, vraiment, rien de bien incroyable. Là on peut voir par exemple que je fais de la recherche pour les symptômes. Bref, donc pour revenir au fait que finalement, il y a quand même beaucoup de jeux comme ça, qui sur le papier ont l'air incroyables. Et qui finalement sont dans la réalisation vraiment mauvais, ou pas forcément en tout cas à mon goût. Et les gens, les développeurs et les youtubeurs, surtout les youtubeurs, les présentent pas beaucoup parce qu'ils estiment que ces jeux valent pas forcément le coup. Mais j'ai envie moi au contraire d'en parler pour quand même expliquer que les développeurs parfois vous vendent du rêve pour finalement pour peut-être pas grand chose. Donc là par exemple ce jeu là en l'occurrence, donc là j'ai 4 catégories, je sais même pas à quoi ça correspond, donc je clique. Là je me rends compte que du coup c'est un peu tout ce qui est on va dire social, enfin du moins dans l'idée j'ai ça en tête. Là des points d'hygiène, encourage les gens à ouvrir les fenêtres pour ventiler leur appartement, d'accord, ou leur maison, se laver les mains fréquemment et faire attention à la respiration, etc. En gros ouais, c'est pour on va dire ouais moins 6% de probabilité d'infection. Donc là moi j'ai aucune idée, on se retrouve à cliquer sur des boutons au hasard, à chercher ce que c'est, pourquoi, comment. Donc ça c'est quoi par exemple, 1500 points ou un service communautaire, ça diminue les risques de riot, c'est des émeutes, diminuer un peu l'intention, je sais pas trop ce que c'est, donc on va voir. Du coup ça on va faire plutôt une recherche sur les pathologies, ça coûte 1 000 000, on va le faire. Allez. Et on peut guérir des gens, ok, pas de problème, on va avancer un peu là-dessus, sur cette branche-là. Donc ouais, je trouve ce format intéressant, donc je vais quand même présenter le jeu. À vous de me dire après ce que vous pensez de ce format, si ça vaut le coup pas de le prolonger. Donc là en gros, voilà, on doit endiguer du coup, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on doit endiguer un virus. Donc on a plusieurs catégories, je crois qu'on en a 4. On a celle-ci qui a l'air d'être un peu tout ce qui est scientifique. Peut-être un peu plus celui-là qui a l'air d'être un peu plus, d'après ce que j'en vois, parce qu'aucune explication, il n'y a rien. Donc débrouille-toi comme tu veux, c'est comme ça, c'est cadeau. Ouais ça doit être ok comme ça, on va faire ça aussi, pourquoi pas. 500 points, j'ai combien de points, ouais on va le faire. Ça fait quoi, diminuer la probabilité d'infection, ok. Ouais ok, très bien. Et on a, donc ça c'est un peu tout ce qui est on va dire la conscience collective d'après ce que j'ai compris. Ça c'est un peu tout ce qui est police, hein, pour contrôler en gros pour essayer de gérer un peu le peuple, pour faire simplement, voilà, pour gérer un peu le peuple. Et celui-là, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un peu en mode on gère un peu la communauté, enfin j'ai pas trop capté, mais en gros voilà, dans l'idée on a 4 menus, il y a pas de musique, vous voyez un peu l'idée du truc quoi, il y a pas de musique, j'en mettrai une peut-être en fond histoire de combler un peu les plans parce que quand même faut que ce soit assez agréable, voilà, c'est un fond qui s'anime jour et nuit et puis terminé. Donc je suis vraiment déçu parce que dans l'idée, je trouvais que sur le papier il y avait de quoi faire, je trouvais que l'idée était 300 points, je les ai. On va essayer ça. Par contre, comment je gagne de l'argent, moi, mine de rien, parce que je sais pas encore trop comment je vais en gagner. Forcer des infections. Ah, une désinfection forcée. En gros, c'est pour désinfecter. Moins 15% de probabilité d'infection. D'accord, on va attendre un petit peu. Donc, on a l'air d'avoir quand même quelques... Je crois que ça, à droite, ça doit être normalement
désinfecté. Donc ça commence à aller de plus en plus loin. Je crois que ça commence à aller de plus en plus vite. On va endiguer. Les points d'interrogation nous donnent des points. D'après ce que j'ai capté aussi. Il y a quelques événements qui se passent, mais j'en ai pas encore croisé. Ouais, donc bon. Et le développeur, je précise que le développeur a pas mal insisté pour que je présente son jeu. Alors je lui ai dit que c'était pas au point. Donc il m'a dit ouais, dis ce que tu veux, t'es libre d'en dire ce que tu veux. Donc il a insisté pour que je présente son jeu, je le présente, mais j'en dis pas que du bien. Le but c'est pas non plus de défoncer, attention. Hein. Mais c'est vraiment de dire que c'est dommage parce qu'il y a un véritable gâchis. L'idée est vraiment bonne, je trouve que l'idée est vraiment sympa d'avoir une infection à gérer. C'est vraiment cool, mais au final c'est vraiment mal foutu quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Là on peut quoi? Oui d'accord, on peut augmenter le pourcentage de 25% de guérison et augmenter la vitesse. Ouais ça faut qu'on le fasse rapidement pour augmenter la vitesse d'un antidote. Donc on va le faire. Ici qu'est-ce que c'est du coup? Là oui ça coûte extrêmement cher, on va pas pouvoir le faire. Ça coûte 1500 points je crois, c'est ça, 1500. Par contre ça peut être pratique en vrai, on a 1000 points. Ça peut être pratique et d'ailleurs ça donne quoi? Je sais pas, on va voir. Et ça, à la distance de sécurité, on va le faire, on va le mettre en place. Une distance de sécurité encore plus hard, on va le faire aussi. On va essayer de gérer ça comme ça. Alors, là on est à 117 points, donc on est à 848 points, on a gagné, c'est cool. Bientôt 1000. Donc vous voyez, pour l'instant, voilà. On est, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que déjà, on est laissé à l'abandon. Il y aura peut-être un tuto, ce serait déjà beaucoup mieux. Ah, ça y est, une musique, ça y est, elle vient de se lancer. Au bout de 3 minutes de vidéo, elle vient de se lancer, ok. Bon, bah super. Du coup... Toi c'est 1500, j'aurais pas les points nécessaires. Là c'est quoi? Ah pour détecter les cas, ouais, on va le faire aussi. On va essayer de détecter maximum de cas. Ici, on va prendre ça aussi, voilà, là on y est. Hop, des points derrière. Toi c'est quoi? On va fermer. D'accord, ok, en gros on ferme les fenêtres, etc. Fermer toutes les portes, les fenêtres, etc. Réduire le contact avec les gens et donc moins de transmission. Ok, j'ai bien compris l'idée. Voilà, donc en gros, bah je pense que du coup, honnêtement, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il y a un plus intéressant à montrer. Il se passe pas grand-chose, voilà, l'idée est bonne, sincèrement, mais la réalisation est très mauvaise. Mais je voulais quand même vous parler de ce jeu-là, parce que sur le papier, il avait l'air d'être vraiment exceptionnel. Et au final, on se trouve avec quelque chose qui est pas forcément maîtrisé. Ni forcément palpitant à jouer, ni captivant, donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou non. Bah simplement ce genre de jeu par exemple, est-ce que voilà hein, des jeux qui ont eu une bonne idée mais qui ne valent pas forcément le coup, est-ce que on les présenter rapidement juste quelques minutes et parler un peu du concept, est-ce que c'est des choses qui vous intéressent ou non, à vous de me dire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à plus tard, ciao ciao.